Mes chers compatriotes, bonsoir. Alors, j'aurais voulu parler ce soir d'une autre fait, Maréchal Mobutu. J'aurais voulu expliquer réellement à nos fils et filles des pays qui étaient gérés Maréchal Mobutu. Donc, je parlais la semaine passée du Patrice Emery Lumumba. J'aurais voulu aujourd'hui parler de Mobutu pour éclaircir un peu l'histoire. Parce qu'on ne peut pas, je dirais, changer l'histoire d'un peuple. Peu importe ce qui s'est passé, le peuple a besoin de savoir son histoire réellement. Donc, pour commencer réellement, alors, qui était Mobutu? Mobutu est né le 14 octobre 1930 à Lissala, des pères inconnus et des mamans, je dirais, Mamaïmo. Mobutu, il a fait ses études à l'école, je dirais, catholique et autres protestantes. Mobutu vit, je dirais, son comportement turbulent comme tous les fils du pays. Il n'a pas pu être, je dirais, encadré par les catholiques. Donc, à la fin, il a été enroulé par la force dans l'armée. C'est là où il a fait ses preuves. En tant que militaire. Mobutu, il termine ses écoles militaires en 1950. En sortant de cette école de 1950, Mobutu, il a fait une formation de journalisme pour sortir en 1956. Donc il était journaliste à temps plein où il était remis dans la vie civile. Et Mobutu faisait connaissance avec Patrice Emery Lumumba en 1960. Lumumba, il se préparait, je dirais, pour l'indépendance du 30 juin 1960. Il fait connaissance avec Mobutu en 1956. Il va nommer, je dirais, Mobutu en tant que secrétaire d'État pour accompagner, je dirais, son gouvernement en Belgique, en Bruxelles, pour les tables rondes qui étaient préparées, de façon qu'étant journaliste, qu'il puisse couvrir l'événement. Donc Mobutu et Lumumba travaillaient en collaboration ensemble. Et Lumumba travaillait en collaboration avec eux, Kassavubu. Donc, conclusion, Mobutu, il était secrétaire d'État personnel pour Lumumba, et Lumumba était premier ministre de Kassavubu, et Kassavubu qui était le président de la République. Donc, ces trois hommes travaillaient, je dirais, en pyramide. Kassavubu, le président, et Lumumba, au milieu, et Mobutu, qui était au premier échelon. Donc, en arrivant en Belgique par rapport à cette table ronde qui devait couvrir ensemble, après les négociations, j'irai au retour du Congo et le roi belge devait venir pour créer, je dirais clairement, un discours pour dire que voilà, nous les Belges, on accepte à ce jour de remettre aux Congolais leur indépendance. Dans la foulée par rapport à ces discours que le roi belge devait refaire au Congo, pour prononcer l'indépendance du Congo, et le roi belge, en faisant un discours qui était, genre un peu, je dirais, tutelle, en disant que grâce à nous, les Belges, que vous, les Congolais, que vous étiez des sauvages, qu'on vous a éduqués, on vous a élevés, toutes ces choses-là. Et le Kassavubu, qui était le président à l'époque, qui a repris les discours pour affirmer réellement les dires du roi, en disant que oui, merci, monsieur le roi, merci, Bouana, merci, patron, merci, chef, c'est grâce à vous qu'on a été. Peut-être des animaux, maintenant nous sommes des hommes. Puisque Kassavubu, à l'époque, était plutôt tendre. Donc, et Lumumba, qui n'était pas destiné à prendre la parole, quand il a entendu le discours du roi belge, et après il a entendu le discours de son président, en disant que qui confirme les dires du roi belge, il s'est senti, je dirais, un peu humilié et trahi. Il s'est levé, qu'il a pris la parole, qu'il a fait son discours qu'il avait fait en disant que on a été plutôt bastonné, mutilé, violé. Et malgré tout ça, on a tenu bon. Ces discours, il avait fait pour montrer réellement qu'il était un nationaliste, était un bon révolutionnaire. Dans ces discours qu'il avait fait, c'est ça qui a coûté à Lumumba, je dirais, ce qui a suivi. Donc le roi belge, en écoutant ces discours, n'était pas content. En rentrant chez lui en Belgique, il appela, je dirais, Kassavubu en disant que ton premier ministre qui a fait un discours, qui nous fait passer un peu pour des petits garçons, il faut qu'il soit limogé. Donc, Kassavubu écoutait son roi comme un toutou,
Il fait aussi, je dirais, dans la foulée, un discours pour limoger Lumumba, en disant que moi, président Kasa-Vubu, je demande aujourd'hui la démission de mon premier ministre Lumumba. Donc, et dans la foulée aussi Lumumba, il n'a pas apprécié les traits déposés par Kasa-Vubu. Donc, du coup, lui aussi, il a fait une conférence de presse où il a déposé son président. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est retrouvé dans un pays où le président qui a révoqué son ministre. Et par après, le ministre qui a révoqué son président. Sachant qu'à l'époque, le chef d'état-major était Mobutu. Mobutu, étant que militaire, il a eu l'occasion, sachant que les deux personnes qui vont diriger un pays, c'est quoi? C'est le président et le premier ministre et le gouvernement. À sachant que ces deux personnes-là, ils n'existaient plus. Donc, l'un qui a déposé l'autre, l'autre qui a déposé ainsi par-ci, donc ça fait vice-versal. Donc, un pays sans gouvernement, l'armée a fait quoi? Il a saisi l'opportunité. Mobutu, il a pris le pouvoir. Donc, c'est dit, désormais, pendant ce temps-là, que les deux personnes en question qui doivent diriger le pays qui ne s'attendent pas, nous, l'armée, on prend le pouvoir pour sécuriser le pays. Et quand les deux personnes en question vont s'attendre, en ce moment-là, on verra. Mobutu, il a fait mettre Kasa-Vubu en résidence surveillée, également aussi Lumumba. Et dans la foulée, les deux personnes qui étaient dans résidence surveillée et Lumumba dans la foulée, qui s'enfuit, après qui s'est retrouvé rattrapé et arrêté par, je dirais, la police ou l'armée de Mobutu. Et puisque Mobutu, pendant qu'il avait fait cette, je dirais, putsch, il faut l'appeler ça comme ça, hein, c'était le 25 décembre, le 25 novembre 1965, avec l'appui quand même des Belges et des Américains. Puisque les Belges, déjà au début, comme ils n'aimaient pas Lumumba, ils aimaient Kassavubu, mais Kassavubu, malheureusement, il n'était pas populaire. Donc son ministre était plus populaire que lui. Donc il ne voyait pas Kassavubu tout seul comment reprendre un pays. Donc il voyait plutôt Mobutu une personne qui pourrait peut-être reprendre le pays, parce qu'il était peut-être vif et courageux, sportif. Donc Mobutu il a été quand même soutenu par des Belges et géré les Américains, et dans la foulée, donc quand il a fait son putsch, faut appeler ça comme ça, il a été soutenu lors du monde. Dans ces cas, c'est toi le maître du bord, garde-le aux arrêts, le temps que toi tu fasses le nécessaire. Donc voilà la première erreur de Mobutu qui avait fait, de faire arrêter Lumumba, qui était quand même son mentor. C'est grâce à Lumumba que Mobutu il fit plutôt secrétaire d'État. C'est grâce à Lumumba que Mobutu s'est fait gérer chef d'État-major. Donc son premier erreur, c'est ça. Donc en grosso modo, je dirais, Mobutu, il a doublé Kassavubu. Puisque c'est grâce à lui qu'il s'est fait secrétaire d'État et gérer chef d'État-major. Mais dans la foulée, quand il y a eu l'incompréhension entre Kassavubu et Mobutu, dans la foulée, tant que militaire, il a arrêté tout le monde. Donc du coup, je pense qu'il a doublé Lumumba et Kassavubu. Il était plus malin qu'eux. Donc il a dit envoyer Lumumba chez Tombé, au niveau des Katanga. C'est là où Kassavubu, plutôt Lumumba, il s'est fait tuer par les gens que ce qui s'est passé, vous avez appris après l'histoire de Lumumba. Donc Mobutu se retrouve à la tête du pays, il crée un comité des jeunes étudiants en disant que vu qu'actuellement on n'a pas de gouvernement, venez m'aider pour créer un gouvernement, je dirais, un collège pour gouverner le pays. Avec ces jeunes étudiants, donc ils ont mis en place un gouvernement de transition pour gérer les affaires du pays, les temps que les choses se calment. Et dans la foulée, il arrive à maintenir ce gouvernement, je dirais, des transitions jusqu'à 1966. Et puis, dans la foulée, ils rebâtissent Léopoldville, ça devient Kinshasa. Et puis, dans la foulée, Kinshasa devient le Zaïre. Zaïre qui venait du nom d'une rivière Nzadi. Donc, le Congo de Léopoldville qui devient Kinshasa Zaïre. Et donc Mobutu, dans la foulée, qui se nomme le président de la République et avec son gouvernement des étudiants qui était mis en place pour pouvoir créer, gérer ce gouvernement. Donc moi, je pense quand même qu'aujourd'hui, je dois attirer votre attention, puisque Mobutu qui prend le pouvoir en 65, je dirais pendant le départ de Belge, et à l'époque quand même aujourd'hui, que vous sachiez, au Congo, on n'avait pas de cadres, ni dans la fonction publique, ni dans l'armée. Donc Mobutu, il a pris le pouvoir dans un pays où il n'y a pas de cadres, où il n'y a pas des intellectuels. Donc je ne voyais pas comment il pourrait gérer, sortir le pays dans la merde, quoi. Puisque un pays sans les cadres, sans des intellectuels,
on ne peut pas créer des choses. Mobutu, je pense que dans cette aventure, il a été courageux quand même, puisque malgré il part avec une jambe cassée, il a pu quand même garder le pays, le pouvoir pendant 32 ans. Sachant que on n'avait pas des intellectuels, on n'avait pas des cadres, ni dans l'armée, ni dans la force publique. Donc Mobutu, il a dit batailler avec le moyen du bord pour garder le pays. Donc je dirais, en plus, en 1967, Mobutu, il crée la monnaie Zaïre. Sachant qu'aujourd'hui, si on regarde l'histoire de tous ces pays d'Afrique, un pays qui a son indépendance et qui utilise une monnaie étrangère, ce n'est pas un pays souverain. Mobutu, dans sa folie, s'il faut le dire, il était intelligent. Il a doublé Lumumba, il a doublé Kassavubu, il a maintenu le pays sans les cadres, sans des...